Salut à tous! Salut! Et bienvenue sur Body Time Express. J'espère que vous êtes en forme, je vous laisse attaquer avec Alex. Hop, échauffez-vous un petit peu. Donc comme d'hab, on se donne à 100%. Si c'est votre première vidéo, vous mettez la vidéo de présentation pour avoir des explications. Au deuxième tour, pour attaquer directement au niveau qui vous convient. Sinon, vous variez entre débutant, intermédiaire, confirmé, vous adaptez. N'hésitez pas à faire dehors s'il fait beau, comme pour nous. Et surtout, encore une fois, donnez-vous vraiment à fond. N'hésitez pas si vous n'avez pas été au maximum, vous refaites. Et on attaque un petit peu plus dur, on trottine sur place. Pensez, pour bien exécuter le mouvement, sur le dos bien droit, on serre son ventre. Fais attention de ne pas bouger le dos. Rentrez le nombril au maximum. Ça va, Alex, t'es en forme? Ça va, ça va. Et vous êtes en forme chez vous? J'espère que vous êtes au taquet. Vous allez donner tout ce que vous avez pendant 12 minutes. D'accord? Même pas, qu'est-ce que je dis, 12 minutes? 10 minutes à fond. Voilà. Échauffement compris, 10 minutes. 2 minutes de retour au calme pour bien récupérer. Vraiment, c'est rien pour eux. C'est rien dans une journée. Et sur les côtés. Si vous le faites à fond, vous allez voir que vous allez très vite atteindre vos objectifs. Plus vous allez le faire dans la semaine, mieux ce sera d'ailleurs. Hein, sachant qu'il faut le faire au moins 3 fois par semaine. C'est le minimum. Après, vous pouvez aller jusqu'à 6 fois. Voilà, pour que ce soit rentable. On garde au moins un jour de repos. Et surtout, surtout, on se donne à fond, à fond, à fond. On choisit toujours l'option la plus difficile possible. Il parle, mais il n'agrandit pas. Dis-moi ta gueule, c'est bon. Allez, là, c'est plus à moi de parler. Vas-y, vas-y, Alexandre, okay. On verra dans choisis toujours l'option la plus difficile, parce que... Je te laisse finir. Et on prend talon fait, sans impact. Voilà. Parce que... Regardez la pêche. Keep the pêche. Allez, encore. Et les genoux, pareil, on alterne. Non, toujours l'option la plus difficile, vraiment garder une forte intensité. On vous dit 10 minutes ça suffit, mais par contre il faut vraiment choquer le corps, choquer le muscle, aller au maximum. Là, on va reprendre, la course est pareille, sur les appuis sur les côtés, mais on fait deux de chaque côté. Hop, hop. Voilà, aujourd'hui toujours 4 exercices, on commencera debout, on passera ensuite au sol. Alors c'est toujours net. Voilà. Bien souffler et on passe à 4 rebonds. Et on agrandit un peu plus. On va chercher main sur les côtés. Hop, plus loin, plus loin, plus loin. On va chercher. Fais un grand pas. Voilà. Encore. 1, 2, 3, 4. Hop. Parfait. Sûr que sur la pointe de pied, histoire que ça jette un peu les mollets. Allez, va t'approcher le côté. Et on reste dans l'axe et on part. Les squats. Premier effort. Et c'est parti. Voilà, méthode profil, s'il te plaît. Parfait. Voilà, bien descendre les fesses derrière, ça c'est notre premier niveau. Plus vous allez descendre, vous pouvez jouer encore sur l'amplitude. Plus vous allez descendre, plus ce sera dur. Bien le dos, toujours à plat. Deuxième niveau, on descend pas jusqu'en haut, mais on tape. Une fois talon droit, une fois talon gauche devant. Voilà, Rabbi Jacob. Enfin, vous pouvez mettre les bras comme ça. Voilà, et encore. Et sur notre troisième niveau, on va juste jouer sur l'amplitude, sur la vitesse. On descend plus bas. Tapez loin devant. Voilà. Parfait. Ça, c'est bien, Alex. Layston. Allez, 10 secondes à fond. Hop. Hop. Pareil chez vous. On joue vitesse et amplitude. Bien que ça chauffe les fessiers, les cuisses. Encore. Hop. Ensuite, on passera sur les avant-bras, sur les genoux. Et c'est parti. Avant-bras, genoux. Premier niveau. Un facile, on va dire. Vous passez un bras dessous. Et vous venez tendre sur le côté, vers le haut. Voilà. Et un plus, vous faites ça 3 fois avec le même bras. Une fois, 2 fois, voilà. Toujours on peut jouer sur la vitesse, un petit peu sur l'amplitude. Donc ça, c'est quand même notre premier niveau. Le deuxième, vous allez faire toujours 3 fois, mais en passant sur les pieds. Sur les pieds, allez chercher loin dessous, loin vers le haut. Voilà, le dos bien à plat. Donc quand on pivote, toujours on garde quand même le ventre serré, le dos à plat, et toujours 3 fois de chaque côté. Hop. Voilà, bien chercher. Parfait. Et pour notre troisième niveau, on va faire 6 fois et on essaie d'accélérer un petit peu. 1, ouais, toujours pour être ça, pour écarter un petit peu les pieds, pour être, avoir un peu plus d'appui. 4, 5, hop, on change. Pas de la même façon. 1, 2, allez, bien souffler encore, dernière fois, et on passe, bras tendus sur les mains. Voilà, on fait seulement 2 pompes, premier niveau, pardon, sur les genoux. Faites 4 pompes directement, 4 pompes mais sur les genoux. Hop, main serrée et c'est parti. 1, bien serrer ses mains, descend les bras le long du corps. 2, 3, 4, on repousse, on passe debout. Vous ramenez un pied à la fois et 4 jumping jacks. 1, 2, 3, 4, on repose ses mains. Donc ça c'est toujours notre premier niveau. Deuxième, on pourra passer sur les pieds mais toujours 4 pompes. Bien serrer le ventre. Voilà, 1, 2, 3,
4 jumping jacks. Hop, 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 hop. Parfait. La même chose. Sur le troisième niveau, vous allez faire 8 pompes. 8 pompes bien rapides. On va essayer d'accélérer un peu. Hop, attention, pas creuser le dos. Bien monter un peu ses fesses. Le jumping jack. Ouais, là il met de la vitesse. Encore, donnez-vous à fond. 1, 2, 3, 4. Ah, là il parle moins, c'est que ça devient dur. J'espère chez vous aussi c'est dur. Et on reste bras tendus sur les mains. Voilà. Premier niveau, juste des montées de genoux, alternant tout le monde sur les mains, sur les pieds, et vous montez vos genoux. Voilà. Vous commencez doucement, on fait 10 fois, après on repousse, on passe debout, 10 montées de genoux alternées. Pareil, vous jouez sur la vitesse, avec ou sans impact. Et 10 fois, 2, 3, on vraiment tranquille. Enfin, on va pas jusqu'en haut. Et on repasse 10 fois, deuxième niveau, un peu plus rapide. On accélère un petit peu, 1, 2, 3, 4. Parfait. Et pareil, debout. Voilà, soit vous ramenez un pied à la fois, vous faites deux pieds rapides. On va montrer sur troisième niveau, on monte bien ses genoux et on ramènera les deux pieds rapides. Et c'est parti. Hop, 10 genoux rapides et on ramène à la fin ces deux pieds en même temps. Voilà, et 10 montées genoux rapides. Rapide, rapide, rapide. Hop, 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 hop. Et on repart. Allez, on terminera juste en bas. Et on passe au deuxième tour. Squat de face, premier niveau. On descend, voilà les fesses derrière. Toujours le poids du corps sur les talons, bien souffler en repoussant, on inspire, on souffle. N'hésitez pas, vous passez au deuxième niveau avec les tapes en bas ou au troisième, un peu plus bas. Et on tape toujours devant, mais la vitesse. Voilà, là il est au deuxième niveau, bien souffler. Ah, toujours bien garder le droit, les lèvres bien alignés. Parfait. Et il passe au troisième niveau. Ah, la pouce, toujours sur la vitesse, sur l'amplitude. Il vous reste 30 secondes. Allez, 30 secondes pour les jambes, pour les fessiers, il faut tout donner. Hop, hop, encore. Hop, hop. Alex. Allez, les 5 dernières secondes. 5, je vais vraiment faire 2. Hop, hop, dernière fois. Et on passe au sol. Sur les avant-bras, premier niveau. Sur les genoux, deuxième niveau. Sur les pieds. Troisième niveau. Bah bon, et c'est parti. Hop. C'est le 1 plus. Voilà. Ouais. Donc là, normalement, vous commencez à transpirer au niveau du dos. Je vois une petite traînée. Et deuxième niveau, vous pouvez passer sur les pieds. Voilà. Transpirer, ça veut pas dire qu'on dépense plus, mais juste quand même, c'est gage de bien se donner à fond, de bien travailler le rythme cardiaque. Et vous pouvez passer à 6 fois. Hop. Hop. Ouais. Allez, vous restez 5 secondes. Super, hop, hop. On passe debout, 4 jumping jacks. Et on partira sur 4 pompes sur les genoux. Et c'est parti. Voilà, premier niveau, tranquille, toujours. Je vais sur la vitesse, sur l'amplitude. Premier niveau sur les genoux, le deuxième niveau, vous pourrez passer sur les pieds. Voilà. Donc c'est toujours des pompes, mains serrées. Descendez bien les coudes le long du corps. Voilà. Donc vraiment tranquille, là, sur les sauts. Vous pouvez faire sans impact, sur les côtés. Deuxième niveau, on fait les pompes sur les pieds, mains serrées, et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là, sur le deuxième niveau, on ramène les pieds un peu plus rapides, et le jumping jack. Et sur les 15 dernières secondes, vous pouvez tenter le troisième niveau. On essaie de mettre un peu de vitesse sur les pompes. 1, 2, voilà, on essaie de décoller légèrement si on peut. C'est 3 plus. Ouais. Allez, il vous reste 3 secondes, juste les pompes, on termine les pompes. 4 pompes. 1, 2, 3. 4, et vous passez debout. 10 montées de genoux. Tranquille, premier niveau. Vous sur la mèche. Et on passe au sol. 10 montées de genoux au sol. C'est notre dernier effort. Je vais vous donner tout. Vous donnez à 100%. On va chercher au maximum. Voilà. Là, il est sur le premier niveau. Il faut accélérer un petit peu, monter les genoux un peu plus haut. Deuxième niveau. Voilà. N'hésitez pas à tout donner. Là, vous pouvez vraiment faire un troisième niveau à fond. Bien monter les genoux toujours près du sol. C'est-à-dire, ils ne montent pas les fesses. Bien serrer son ventre. Ouais. Allez, troisième niveau, c'est parti. Hop, 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 hop. Donnez tout. Voilà, on monte bien ses genoux. Toujours bien taper vers le haut. Et encore. Et il vous reste 10 secondes d'effort. Ouais, encore. Hop, 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 hop. Allez, 3 secondes. On termine juste en bas. Montez genoux en bas. Rapide, 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 rapide. Et vous soufflez, vous pouvez relâcher. Super. Oula. Là, il s'est donné. J'espère que vous aussi.
T'as pris une douche? Il a plu vers là. Vers là-bas. Il y avait un nuage. Allez, soufflez, tirez-vous, suivez Alexandre. Monsieur Alexandre, c'est bien donné. Je suis fier de lui, vous êtes fier de vous. Si vous l'avez fait à fond, on est fier de vous. Body timer, j'espère que c'est tenu à 100%. Yeah. Allez. Body timer, you know? From Miami. Allez, soufflez bien. Petite astuce, petit conseil du jour. Quand vous faites un repas ou même un goûter, essayez de commencer par des fibres. Par exemple, c'est plus intéressant d'abord de manger des légumes, comme une salade verte, tomate, enfin un légume, un fruit, avant le début de repas, parce que ça va vous donner un peu un effet de satiété, donc vous aurez moins faim par la suite, vous mangerez moins, on va dire, de mauvaises choses, grasses, sucrées. Ça va limiter un petit peu en plus cette envie. Et du coup, moins vous allez manger, forcément vous allez diminuer l'apport calorique, et même pour un goûter par exemple, si un jour vous avez vraiment envie de chocolat, c'est une pulsion un petit peu, mangez d'abord un fruit. Mieux un fruit consistant, par exemple une pomme, une poire. Ça va vous permettre déjà de couper un peu cette envie de faim. Et si vraiment par la suite vous avez envie de craquer, vous pouvez craquer du moment que vous avez fait Body Time Express. Juste avant. C'est ça? Voilà, c'est ça. Ouvrir la fenêtre métabolique qu'on a expliqué dans une vidéo. Ah, mais moi je parle plus trop quoi. Moi je me fais engueuler quoi. Allez-y Alex. Allez-y monsieur Alexandre, c'est à vous. Chef, patron. C'est mon patron. C'était permis. Bon, j'espère que ça vous a fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc continuez. Pensez à comme vous abonner à la chaîne YouTube. Pensez à vous abonner à la chaîne. D'accord, c'est gratuit, ça coûte rien. Faites partager à vos amis, n'hésitez pas. D'accord. Plus on aura de vues, plus on mettra d'entraînement et plus vous serez au top. Exactement. On va finir en montant le plus haut possible. On va chercher loin derrière. Bras tendus. Plus vous redescendez doucement. Vous joignez les deux mains derrière. Ça va les épaules, normalement c'est dû vous chauffer un peu les épaules. Ouais, c'est la spécialité sur les bras. Les jambes c'était facile. Oh, c'était pas facile, mais. Les cuisses, les fessiers, on a bien travaillé. Voilà. Si vous avez vous sentez énormément les épaules, c'est normal parce qu'on a enchaîné des exercices où on prend appui sur les mains, sur les bras. Donc on a les épaules constamment contractées. Mais surtout, ne pensez pas que vous avez travaillé que cette zone-là. À chaque fois que vous avez senti les épaules, il y a un autre muscle qui travaille à côté. Voilà, on voilà. Pas des épaules, de toute façon. Voilà, dans tous les cas, même si vous sentez vos épaules qui ont énormément travaillé, ça ne vous fera pas gonfler les épaules, d'accord? C'est des entraînements d'endurance. Donc voilà, c'est vraiment pas pour prendre du volume musculaire. Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On se voit très vite. Et surtout, d'ici là, gardez la pêche.